bien, nous voilà à EICMA pour l'une des plus grosses nouveautés Kawasaki du salon. On parle bien sûr de la H2 Supercharge, le roadster décliné de la sportive. Alors, ce qui fait que aujourd'hui sur le marché, si vous voulez un roadster de 200 chevaux avec 138 Nm de couple pour un poids très très bas, eh bien c'est cette machine qu'il faut regarder. On vient de passer près d'une heure avec les designers, avec le fameux style Tsugomi que l'on retrouve notamment à l'avant, avec toutes les difficultés techniques qu'ont eu les designers et les techniciens aussi pour arriver à mettre toute la partie frontale et toute la partie technique et électronique à l'avant, avec un style par contre que l'on retrouve très affiné ici, des coloris qui changent relativement peu, où on retrouve une grosse partie de noir, mais avec un cadre qui change soit en vert, soit en rouge, soit en noir, avec uniquement quelques pointes de vert si nécessaire. Et derrière, eh bien, on retrouve tout ce qui a fait le succès de la précédente H2. Naturellement, pour arriver à contrôler cette masse et ce roadster super chargé, eh bien, on retrouve, on l'a dit, le moteur de 998 cm3, le 4 cylindres, mais qui ici se retrouve avec des assistances, notamment un embrayage assisté, et puis un quick shifter, aussi bien en montée qu'en descente, un régulateur de vitesse, peut-être un peu moins utile sur le roadster que sur une machine comme la ZSX, mais en attendant, on retrouve également de nombreuses assistances électroniques, et puis une centrale inertielle Bosch, que l'on retrouve un petit peu sur les autres modèles également, mais ici qui est à 6 axes, anti-patinage, ABS entre guillemets intelligent, aide à la prise en virage, un contrôle de traction, les différents modes de conduite. Encore une fois, ce que l'on voit sur toutes ces nouveautés 2020, eh bien, c'est l'arrivée massive d'aide électronique, et pas uniquement sur les sportives et les hypersports, mais également sur les roadsters, et surtout comme un roadster comme celui-là développe 200 chevaux et 137 Nm. On retrouve des doubles disques avec des étriers Brembo et des disques de 290 mm, une fourche inversée Showa SSF BP et à l'arrière un mono-amortisseur également signé Showa. Contenance par rapport à certains modèles où on a tendance à voir les réservoirs diminuer, ici on garde un gros réservoir de 19 litres, ce qui amène la machine et un poids global de 239 kg en ordre de marche. Naturellement, on retrouve un éclairage à LED aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec comme un X dessiné à l'arrière, un échappement Akrapovic qui va déterminer également tout le son qui va pouvoir sortir de cette machine. Et puis on parlait d'équipement électronique, et l'équipement électronique, c'est l'écran TFT, un écran TFT qui va donner bien plus d'informations que le standard, c'est-à-dire qu'il va également être capable de donner des informations sur l'inclinaison de la machine et sur les différents modes de conduite, sur les différentes assistances et les différents niveaux d'assistance, avec à la fin deux modes d'affichage, avec un affichage sur fond clair et sur fond foncé. Et naturellement, on se retrouve avec des Komodo de plus en plus remplis de boutons pour arriver à contrôler l'écran TFT, mais surtout l'ensemble des assistances, et des assistances que l'on retrouve ici à tous les niveaux. Avec une telle débauche d'électronique, d'assistance, de performance, on retrouve également un prix à la hausse. Pas à la hausse par rapport à la H2, mais à la hausse par rapport aux très gros roadsters existants sur le marché, puisque là, on a une estimation qui va tourner entre 17 et 18 000 euros pour cette machine, une machine exceptionnelle, et que l'on vous invite surtout à retrouver très très rapidement en essai, dès le début de l'année prochaine, en vidéo, parce qu'il va falloir nous suivre. Toutes les nouveautés EICMA 2020, on va toutes les essayer, sur circuit pour certaines et sur route pour d'autres, à travers des longs essais. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant en bas à droite. Et puis surtout, je vous invite à continuer notre tour d'EICMA sur l'ensemble des stands et pour chacune des machines. Et pour les autres informations, parce qu'il nous manque parfois des informations de prix ou des informations techniques, je vous invite surtout à les retrouver dans chacun des articles sur le repère des motards.